C'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une grosse vidéo, trial, c'est le vélo que j'ai entre les jambes, contre Bike Life. Et peut-être vous le connaissez déjà, j'avais fait une vidéo avec lui il y a plus d'un an. Dorian, la forme. Salut. Un des meilleurs riders de Bike Life. Et surtout il est de Grenoble, il est de ma ville. Du coup Grenoble représente. On va se faire un petit défi. Déjà il va nous faire une démo pour vous montrer ce que c'est que le Bike Life. Et on va balancer les images maintenant. Vas-y Dorian, t'es chaud? Allez, démo. Et je vous préviens, il en voit énormément. C'est un des meilleurs de France, donc vous allez voir ce que c'est vraiment que le Bike Life. Déjà le vélo, très bizarre, regardez bien. Tu peux juste nous montrer le vélo, c'est vrai que j'ai même pas présenté le truc, on y allait direct, on est trop chaud. Du coup en gros c'est des BMX en grande taille, donc là c'est un 29 pouces et du coup c'est fait pour les tricks etc. Donc on a des pneus lisses, donc ça nous permet de faire des esquives et de mieux accrocher au niveau du sol etc. Donc nous on fait des tricks avec les pegs, avec la selle, les pédales, donc il y a plein de combinaisons possibles et voilà, donc pas de suspension sur ces vélos là. Et c'est vraiment pour la ville, on pratique sur le plat, etc. Juste un frein arrière. Voilà, pas de frein avant. Et toi, t'as des vitesses? Et voilà, moi j'ai des vitesses, c'est pas sur tous les vélos, mais ça permet du coup de pouvoir faire encore plus de tricks. Et vraiment, c'est vachement polyvalent comme vélo en ayant des vitesses. Peut-être qu'on fera une troisième vidéo. Je crois que GT, ils en ont sorti et je vais essayer d'en récupérer un. Donc comme ça, je me mettrai au Bike Life aussi si vous voulez. Je vous ferai ma petite évolution. Mais bien cool. Bah écoute, vas-y, démo. Allez, let's go. Big 550. What's my intention? Stepped in the game with a statement. Niggas keep passing me questions. Still keep a fan with a stick and that bitch is a center. Don't gotta say too much. Shh. Bitch come with a vengeance. I walk in the room and they feeling the tension. Stress. They feeling my energy. Shorty, she fucking with me. I got a vibe. Class at Zoom, make her open up wide. She let me in and I'm getting inside. Look. Shorty a freak, I can see in her eyes. So after I fuck. Ain't no pillow talking, I get up and throw that shit to the side. Then back to my bag shit, make a mad shit. Cause my money starts missing fantastic. I got a bad bitch with the antics. Got me feeling like Mr. Boombastic. My other bad bitch, love the static. She be clearing her room with some fashion. Extra clips so she extra dramatic. Walking with her, make niggas go panic. And I came out, nigga, looking for a way out, nigga. What you know about that? Mama said stay out, nigga. So I kept the thing round, nigga. Now pockets is fat. I ain't never stay round, niggas. Yes, j'espère que voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que Dorian est capable de faire. Donc très très gros niveau. Maintenant, si vous connaissez pas le street trial, ce qu'on peut faire avec, c'est à moi de vous faire la démonstration. C'est parti. Hey, I'ma need that check, check. I just need my check. Play around with my check. Round you get check. Need that check, check. I just need my check. Play around with my check. You get checked. I was thumbing through a check. See my work, I need a check. Don't play with me, I'm a check. Run them Nikes, that's a check. Yes, that dollar, I flip. She told me she miss me. No money, won't answer. Don't text me, them bitch. I get it, say low pro. That deuce deuce, a fofo. Gon' watch me, no GoPro. Leak me, I'll go pro. Running, running, running for his gump into the hun. Excuse me, honey, I've been buzzing round and round. I need my money. I'ma need that check, check. Voilà, la démo est terminée les gars, maintenant à vous de me dire déjà est-ce que vous préférez la Bike Life ou le street trial. Et c'est là où on va s'affronter, la vidéo commence maintenant. On va faire un challenge, viens voir Dorian parce que ça te concerne aussi, ouais. C'est le thème de la vidéo. En gros on a un essai chacun, on doit faire peur à l'autre. Le premier qui cligne de l'œil a perdu, c'est à dire le premier qui a peur, il a perdu en fait. Donc on a un coup chacun pour faire peur à l'autre avec chacun ses techniques. Voilà, la technique de l'esquive, la technique du trial, enfin, on verra quoi, plein de trucs. Peut-être un petit Shifumi pour savoir qui va se mettre en tant que cobaye. Celui qui gagne, il a le droit de prendre son vélo pour faire peur à l'autre, ça te va? Ok, c'est bon. Allez. Chi fou mi. 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 On n'est pas de Grenoble, nous tous les deux là, c'est bon. Chi fou mi. Yeah. Ok, je commence avec le vélo. Alors, je vais lui proposer une petite technique de base. Très connue dans le trial. Pose ton vélo et tu vas t'allonger sur le sol, bras, jambes tendues comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et je te fais peur. Ouais. Surtout, regardez bien son visage. Il y a un signe de peur, il a perdu. On lui laisse le casque quand même, on est sympa. On va prendre un peu d'élan. Ok. Hop, on va s'attaquer. Ah. Oh. Ah, un petit sourire. Mais ça veut pas dire qu'il a eu peur, ça veut dire que ça lui a fait plaisir. Du tout, c'est un peu le kiki là. Je sais pas trop quoi penser. Bon bah voilà, à toi.
Il a pas eu peur, ça va. Qu'est-ce que je dois faire moi du coup là? Alors bah toi du coup tu vas te mettre debout ici. Sans le vélo? Ouais. Okay, et tu poses le vélo. Bah ça va partir sur une esquive. Hein. Ça j'ai cru savoir ce que c'était, j'ai vu un peu son Instagram que vous pouvez aller suivre. Ça fait très peur. Mais voilà. Sinon ce que je pense c'est pour faire un truc encore plus flippant. Genre du coup tu te mets carrément tu sais comme ça, tu seras plus bas et tu vas avoir plus. Ah ouais d'accord, ok. Il me dit si tu veux un truc encore plus flippant. Bah non perso c'est déjà bien ça. Je joue le jeu hein, c'est toi qui veux me faire peur, mais prépare-toi, la deuxième elle va être mortelle pour toi. Ça va. Limite ça fait du... ça fait un peu de vent, ça fait du bien, tu vois là il fait chaud là. J'ai bien aimé. Ouais, j'avoue que quand t'es à la hauteur quand même de la roue là, tu vois le pédalier qui arrive en plein dans ta face. Alors moi je te réserve encore plus dur alors. Non bah tiens, on parle d'esquive. Pareil, la même technique que tout à l'heure. Tu t'allonges sur le dos et je vais te faire moi l'esquive en dérapage. Genre ma roue elle va arriver très fort contre toi. Faut que je bloque là comme ça. Garde bien le casque. Hein. Ouais. Là il a pas peur et qu'il va jamais avoir peur. Hein. Tu vas prendre maximum de speed. Ok. Il a pas eu peur hein. Regarde la pédale où elle était. Je pouvais pas m'arrêter plus près. Peut-être la roue arrière, mais la pédale, fallait pas plus. T'as eu peur ou pas? Ça va. Ah, je sais que là. Tu gères, du coup ça va. Ah ouais, mince. Un peu peur quand même, mais avec la vitesse et tout. Si tu veux, on échange de vélo et on fait les mêmes figures. Comme ça, on va avoir peur. Ah là, tu ouais, vois. On va vraiment peur. Celui sur le vélo aussi, il aura peut-être peur. Bah, toujours pas peur. Alors, qu'est-ce bon, qu'il y a? Du coup, je pense qu'il va falloir que tu t'allonges aussi. Et ah ouais. Là, ça va sauter. En gros, je vais être en wheeling sur les pegs et je vais sauter par-dessus toi. Ah ouais, il me saute par-dessus. Mais avec ton vélo là? Ouais. Ton gros truc, combien ça pèse? 14 kilos. Moi. Ah ouais, 14 kilos. Qu'est-ce que le double du mien quoi. Longtemps que je l'ai pas fait celui-là, j'espère que je vais pas le louper. J'avais anticipé, j'avais contracté. Ça va, je pense qu'il y avait un peu de marge hein. Bon j'avais un peu peur parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas essayé mais. Ah il a eu peur. C'est moi qui ai eu peur en fait. Non, alors là, attends là je te fais le bouquet final. J'ai un truc dans la poche. Voilà. Je suis pas allé à McDo faire mon anniversaire hein mais. Là il devrait avoir peur. Je vous explique le temps qu'il fasse un petit nœud au ballon. Plus tu perds de l'air, plus c'est petit, plus ça va être dangereux pour toi, je te préviens. En gros, je vais partir d'un mur, je vais lui mettre le ballon entre les jambes, proche des cojones, et je vais devoir l'éclater. Mec, il m'a saturé mon jeu. J'en avais qu'un. Bah regarde, on va faire le clochard, on va prendre Alors je suis désolé pour toi. Ah. On était parti d'un ballon gros comme ça et on arrive à un pot de compote. L'idée va marcher quand même, ça sera un peu moins impressionnant mais on va partir du mur là-bas. Viens voir. Tu t'allonges ici. Et parce que t'es sympa, je vais remplacer le petit pot de compote par ma bouteille. T'es gagnant dans l'histoire. T'as bien fait d'éclater le ballon. Alors viens voir. Viens ici. Alors. La tête ici, les jambes là-bas. Ça a la chance que des fois je pars de genre de mon camion ou un truc comme ça de mettre de. Ouais du coup la tête un peu collée sur le dos. J'écarte un peu les jambes. La bouteille là. Plus proche, allez. Là. La largeur de mon pneu. Là, regarde bien sa tête, hein. Regarde bien. Allez, let's go. 1, 2. Wow. Il a toujours pas eu peur hein. Est-ce que le vrai saut du coup tu vas avoir peur? Ouais le vrai saut je pense. Alors là, prêt, 1, 2. Ah, ça va, c'était précis. Ah, je crois qu'il a eu peur. Il s'est fait pipi dessus, regarde. Il a toujours pas eu peur, hein. J'ai beau lui faire tout ce que je peux, il a pas eu peur. C'est ton dernier essai. Tu me fais pas peur, on est à égalité. Alors, du coup, là, tu vas te mettre allongé avec les jambes écartées. Okay. Et du coup, je vais passer au milieu, genre à côté de jambes, et je vais m'arrêter au dernier moment. Une vidéo où on prend beaucoup de risques à ce niveau-là. Je vais pas craquer, les gars. J'aurais pas peur. Je vous préviens. Les sensations étaient pas mal. Avec la roue avant qui tournait comme ça, ouais, ma tête, là. On pourra t'inviter sur les démos de trial, hein. Franchement, il y a de quoi faire. Bon, bah, je crois qu'on finit égalité. Hein. En vrai, on a tellement l'habitude de faire des conneries comme ça qu'on sait que l'autre maîtrise. Ça, c'est la confiance, c'est important. Alors, ce que j'ai envie de te proposer pour terminer cette vidéo, justement, on parle de démo. Imaginons, on va faire une démonstration ensemble. On va se tenter des combos. On va essayer d'intégrer le trial avec la bike life. Ce que je te propose, c'est je suis sur la roue avant et toi, tu me fais une esquive comme ça. Ouais. Vas-y, ça peut être stylé, c'est parti. Vas-y, go. Là on a un truc là, celle-là, je la valide. Est-ce que t'as une autre idée de technique qu'on peut associer? Ouais, sinon tu peux faire un truc par exemple où toi t'es toujours sur la roue avant en train de faire des petits sauts. Ouais. Et moi je tourne autour de toi en circuit par exemple. Ah ouais. Deuxième technique, je me mets sur la roue avant. Sauf que cette fois-ci je vais tourner sur la roue avant et lui il va tourner autour. T'as pas la tête qui tourne au bout d'un moment là? Ça va, ouais, ça va. Les deadfins. Bah voilà, deux techniques. Troisième, vous pouvez lâcher une main. Ouais. Genre un check, toi t'arrives à fond, moi je pète trop arrière avec une main et on se fait le check. Vas-y. Allez, troisième technique, c'est le check. Le check il est validé. Yes.
Bon, trois petits combos qu'on a fait. On est prêt pour les chauds, Dorian, là, je crois. Vas-y, la saison des chauds, là, on est prêt. On va se faire un dernier petit truc juste avant qu'il nous fasse, je crois, un wheeling assis sur son cadre, un peu genre monocycle, très stylé. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On continue notre petit duo. On va se faire la descente de ces escaliers-là sur la roue arrière manuelle. Du coup, moi, façon ordinaire, comme ça. Du coup, je serai sur les pecs, normalement, avec les jambes croisées, puis je descendrai. Ouais, on propose un manuel, lui, jambes croisées, nanana. Allez, vas-y, on se fait ça. Je vais lui lancer un petit défi, attends. Est-ce que t'arrives à les monter déjà? Avec des grosses roues, t'as même pas besoin de tirer là. C'est l'instant tuto, après tu m'apprendras une figure, vas-y. Pour monter des marches comme ça, il y en a que 3, c'est très simple. Tu sais faire un manual. Ouais. Ben en gros, tu te dis que tu fais le manual. Faut juste que tu poses ta roue avant au-dessus. Et après, franchement, tu laisses rouler avec la vitesse, ça passe tout seul. Ah voilà. Ça passe. Pas mal ça. Bon, on voit qu'il y a des similitudes quand même. Il y a des petits trucs à faire. On se teste ouais. Le wheeling sur le vélo là. La figure celle-là, il n'y arrive pas à tous les coups, donc on va voir si on arrive à le motiver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Petit tuto de la technique, ça s'appelle monocycle. Alors tu te sers d'un banc, t'arrives, tu mets ta pédale comme ça pour que tu arrives à t'asseoir ta colonne de direction. Du coup là je mets un doigt sur le frein quand même à l'arrière. Parce qu'à la base les monocycles ils ont un rétro-pédalage, du coup tu peux avancer, reculer, mais nous on peut que avancer, tu vois. Et après bah voilà, on se fait un petit challenge, celui qui va le plus loin. Yes. On va arriver à pédaler, c'est chaud. Yes, yes, yes. Allez, pédale, pédale. Ouais. Oh, 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 oh. Il y avait un truc. Il y a quelque chose, mais il y a eu trois petits coups de frein là. Faut que j'arrête le frein là. On part pas tant qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'à l'herbe là. Faut qu'on fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 mètres, c'est validé. Le premier qui arrive et la vidéo est terminée. Yes, yes, yes. Non. Oh. Allez, allez. Ah. Oh. Oui. Oh. Une fois quand même, pour l'honneur, faut que j'y arrive. Moi j'innove, j'intègre le trial. Peu importe la technique, faut que j'arrive là-bas. Chacun sa technique, c'est vrai. On n'avait pas dit la manière. Hein. Bien joué. Attends, je suis très très chaud, tellement chaud que je vais essayer de descendre des escaliers comme ça là. Allez, t'es chaud? Tu veux essayer moi, avec la tienne? Moi, à mon avis, non, mais. Attends, faut juste que j'arrive à me placer. Je suis sûr qu'il y a moyen, fais voir. Oh voilà. Oh, je me suis pris la vis de la potence dans le huc. Bon, bah, on a innové aujourd'hui. Hein. Ouais. Nouvelle figure, est-ce que tu l'as déjà vu? Franchement, j'avais vu en descendant en pédalant, mais pas en saut comme ça, trial. C'est. Bah, il a su faire un peu un trick de bike life, un peu à sa sauce. C'est du bike life versus street trial, voilà, c'est ce qu'on avait dit au début. Bon, en plus, il pleut, ça y est, ça commence. Merci Dorian. Allez le suivre sur Instagram et t'as la chaîne YouTube maintenant. Voilà, c'est ça. Il va vous faire plein de petits tricks et tout, bike life. Donc, vraiment, allez le suivre. Et puis, nous, bah, semaine prochaine, mercredi midi, la prochaine vidéo. Pensez à liker, à vous abonner. Ciao la bike life.